Bonjour à tous et bienvenue sur le Média Roule. Je vous propose aujourd'hui de partir à la découverte d'une activité méconnue et pourtant promise à un bel avenir. Vous vous êtes sans doute demandé ce que devenait votre voiture lorsque vous la déposiez à la casse ou que vous la laissiez à un concessionnaire pour en prendre une neuve. Est-ce qu'elle a été broyée ou est-ce qu'on en a réutilisé certaines parties? Eh bien, pour le savoir, nous sommes partis chez un spécialiste du genre, GPA, un expert en matière de déconstruction et de recyclage automobile situé dans la Drôme. Suivez-moi, on part pour la visite. Dans ce centre agréé, situé le long de la Nationale 7, à une trentaine de kilomètres de Montélimar, on accueille 25 000 véhicules chaque année, la plupart étant destinés à être recyclés. C'est ce qu'on appelle des VHU. Chez GPA, comme dans les autres centres agréés, on se fixe un taux de recyclage de plus en plus élevé. Le contexte réglementaire en fait, qui régit notre métier d'un point de vue performance de recyclage, c'est une directive européenne qui nous impose de réemployer et recycler 85% de la masse de chaque véhicule. Donc si un véhicule pèse 1000 kg, je dois réemployer des pièces et recycler des matières à hauteur de 850 kg. Elle impose également cette réglementation d'arriver jusqu'à 95% de réemploi, recyclage et valorisation. C'est-à-dire que là, on rajoute une dizaine de pourcents de la masse qui est de la valorisation énergétique, souvent pour servir de combustible, notamment dans les cimenteries. Les 5% restants étant 5% qui sont enfouissables. Ce sont des déchets inertes que l'on va mettre en décharge. En dehors des pièces de réemploi, vous vous demandez sans doute ce que l'on fait du reste. D'abord, il y a tout ce que l'on va dépolluer, tous les fluides par exemple. Le carburant va chauffer le bâtiment et alimenter nos chariots élévateurs. Le gaz de clim va être mis en bonbonne, il va être caractérisé, pesé, mis en bonbonne, et ensuite il va être purifié, on va le nettoyer pour être réutilisé en tant que gaz de clim. L'huile de vidange va être régénérée par un pétrolier pour faire de l'huile neuve. Les matières premières qui sont dans un véhicule, notamment les métaux ferreux, vont permettre de refabriquer soit des pièces détachées, soit par exemple des ronds à béton pour fabriquer des bâtiments. Les pneus vont être souvent broyés pour faire du combustible de cimenterie. Un pare-choc qui est en polypropylène, par exemple, peut être réutilisé pour faire un siège auto, un siège enfant, qui est également en polypropylène. Et puis, il y a toutes ces nouvelles matières que l'on trouve notamment dans les batteries de véhicules électriques, où bien sûr, il y a ce qu'on appelle la caisse en fait, de la batterie, où il y a beaucoup d'aluminium, il y a également du cuivre. Et puis, il y a ce qu'il y a dans les modules, dans la batterie elle-même, avec du nickel, du cobalt, du manganèse. Voilà. Ou là où il y a des matières particulièrement précieuses. Et puis, les connecteurs, où on pense pouvoir parfois trouver un peu d'or, un peu d'argent, en quantité infime. Mais en tout cas, ce sont des matières qui sont bien sûr très intéressantes à les récupérer. Et puis, il y a aussi dans un véhicule, souvent, un catalyseur dans lequel on retrouve aussi un peu de rhodium, un peu de platine. En plus de participer au développement durable, le recyclage automobile est une activité inclusive. Elle constitue un bassin d'emploi prometteur dans les territoires ruraux. Elle favorise l'insertion de personnes handicapées et facilite le retour à l'emploi pour d'autres. Bref, le recyclage s'avère vertueux sur le plan environnemental, économique pour ceux qui en font l'usage, tout en revêtant une dimension sociale là où il se développe. On sélectionne les pièces que l'on va démonter en fonction de nos stocks, en fonction des ventes, en fonction des besoins de nos clients. Les clients, ce sont soit des particuliers, soit des professionnels. Si ce sont des professionnels, ce sont soit des carrossiers, soit des mécaniciens. Globalement, on démonte une vingtaine de pièces par véhicule, ce qui fait environ 1000 ou 1200 pièces par jour qui sont mises en stock et 1000 ou 1200 pièces par jour qui sont réexpédiées dans toute la France. C'est-à-dire que l'offre de pièces de remploi GPA est vraiment concurrentielle d'une offre de pièces neuves. Les pièces que l'on produit, elles sont destinées autant à des carrossiers que des mécaniciens, mais aussi à tout un public plus ou moins fragile qui a besoin de son véhicule pour aller au travail, pour amener les enfants à l'école, pour avoir une vie sociale, surtout en territoire rural. Ce public-là, il a besoin d'avoir accès à de la pièce automobile de qualité, mais bon marché. Vous l'avez compris, un véhicule hors d'usage est un trésor de richesse à exploiter. Raison de plus pour ne pas l'abandonner en pleine nature.